Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Gaming06. Donc les amis, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu The Crew 2. Les amis, dans cette vidéo on est parti donc pour customiser la petite Koenigsegg Jesko. Donc comme vous avez vu dans ma vidéo présentation de la mise à jour, c'est une voiture qui vaut quand même 2 millions. Voilà, donc une voiture assez chère, mais bon, on est d'accord qu'elle est tout de même magnifique. Donc les gars, allez, on va pas perdre de temps, on va la customiser, on va voir un peu ce qu'on peut faire dessus. Après, on va la tester sur circuit et puis voilà, j'ai envie de dire. Avant, bien évidemment, on testera la pointe moteur maxé. Alors, capot, on a du carbone, on a ça. Ouais. Ok, alors la différence avec le premier, j'ai pas fait gaffe là. Ouh, celui-là est super beau. Alors attendez, faites voir le premier. Alors le premier est comme ça. Ça, ok. Ça, ok. Ça, c'est pas mal. Mais entre celui-là et celui-là, ouais, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. On valide. 42 000 balles le capot. Ça fait mal, ça fait mal. Ok, pare-choc. Alors, du coup, ça changeait. Ouais, niveau des feux, regardez. Là, on a deux petits optiques de chaque côté. Après, on a les optiques donc avec le contour en blanc. Ok, donc là c'est la lame. Ouais, sur la lame il y a un petit liseré blanc. Ok, donc avec les deux optiques différents. Ouais, donc regardez les gars. Tout le bas, là, toute la lame peinte en blanche. Ok, bon j'avoue, je préfère en carbone. Ok, donc là, ça changeait quoi là? J'ai pas trop compris la différence par rapport au premier. Ok, ah ouais, donc ça c'est le dernier. La lame, elle change jamais en fait, hein. On est d'accord. Hein. On est d'accord qu'entre le premier comme ça et le dernier... Ah ouais, ok, d'accord, ça a changé, regardez. La petite partie verte au centre, regardez. Voilà, c'est juste ça en fait. C'est juste ça, donc... alors ça, c'est le premier. Ça, c'est le dernier. Est-ce que j'y mettrai pas avec les feux en carbone comme ça? Je trouve qu'elle est magnifique. Allez, je vais valider celui-là. Et on va continuer. Aile avant. Alors, aile avant, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, donc ça nous rajoute une petite lame juste en dessous, vous voyez. Donc, à la place d'avoir deux splitters, là, sur les côtés, on en a... à la place d'avoir un seul, on en a deux. Donc, allez, pourquoi pas. On valide. On continue. La jante. Je pense que les jantes, je vais pas les changer. On va quand même regarder. Ouais, il y avait celle-là. Ok, non, je vais pas les changer. Étrier, je vais pas changer non plus. Ah merde, du coup, ça me l'a mis en noir. Donc ça, c'est le truc relou de The Crew. Ils l'ont pas corrigé. Si on valide pas notre couleur, et ben du coup, ça nous met une couleur, ça nous met du noir. Alors, rétroviseur. On a ça, et on a ça. Alors, pour le coup, l'origine était bien. En blanc, c'est pas mal aussi. Celui-là, j'aime pas trop. Ouais, allez, on va mettre du blanc. Ok. Alors, bas de caisse. On a... Oh, sympathique ça. Vous avez vu? La couleur blanche. Ok, donc là, on a toute la... tout le bas de caisse qui est en blanc. Juste le côté là où il y a un peu de carbone. Alors, franchement, là, pour le coup, c'est pas trop ouf. Pourquoi pas celui-là? Allez, je vais valider ça. Attendez, faites voir un peu ce que j'avais mis devant. Ouais, donc là, j'étais en full carbone. Non, je crois que du coup, je vais remettre ça. Les gars, je vais remettre ça ou pourquoi pas celui-là? Allez, 6000 balles, je mets ça. Aileron. Alors, est-ce que... Ok, donc là, il y a du blanc. Et là, il y a ce modèle-là. Il est terrible. Oh, c'est quoi cet aileron de l'espace? Oh, il est magnifique, le machin. Alors, ça, ça, ou ça. Bon, allez, on va valider ça. 42 000 balles l'aileron, quand même. Hein. Alors, pare-choc arrière. Donc là, ça teintait au niveau des feux, regardez. Hop, voilà, teinté. Après, ok, donc le diffuseur arrière, il y a du blanc, il y a un petit rajout de blanc. Ok, ok. Et le dernier, c'est celui-ci, avec les pots comme ça. Par contre, le jeu, il rame à mort, je trouve. Depuis qu'il y a eu cette mise à jour, vraiment, ça rame. Ok, là, comme ça. Là, pour le coup, ben moi, j'aime bien le premier. Pourquoi pas, alors, à la limite, avec des feux teintés.
Mais c'est vrai que les autres, je suis pas plus fan que ça, hein. Même celui-là, je suis pas plus fan que ça, le dernier. À la limite, je vais mettre ça avec les feux teintés, voilà. 21 000 balles, ça sera très bien. Ok, donc l'intérieur. Bon, l'intérieur, il est évident que je vais même pas y toucher. Parce que c'est juste magnifique, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans une voiture comme ça? Déjà, à la base, j'aurais même pas dû la toucher, tellement qu'elle est belle d'origine. Allez, je vais même pas la toucher. Oh, avec les portes qui s'ouvrent là, mamma mia, mais quel avion de chasse! Les gars, là on est sur de l'avion de chasse, hein, on est d'accord. Hein. Attendez, on va faire un petit tour. On va faire un petit tour de la caisse. Juste pour l'admirer un peu. Tellement qu'elle est belle. Bon, mamma mia. Bon, là je pense que les gars de Forza ils doivent être un peu jaloux. Qu'on ait un petit avion comme ça, quand même, ça fait plaisir. Bah, vous inquiétez pas, Forza, il est terrible aussi. Hein. Ouais, bon, ok, ça marche. Franchement, hyper, hyper belle, hyper agressive. Elle est magnifique cette caisse. Ok, allez, on continue. On va voir un peu du côté des vanités. Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Alors voilà, on va mettre un pneu aussi minable que ça, hors de question. Là, je vois qu'il y a un peu de verre sur celui-là. Est-ce que ça irait bien? C'est pas trop mal. C'est pas trop vilain, j'ai envie de dire. C'est pas trop vilain. On peut regarder le reste. Bon, bah là, je sais que ça, c'est minable. Ouais. Celui-là est pas trop mal. Ah, et là il y en a un autre. Ah ouais, mais ça c'est un pneu tout terrain. Bon bah écoutez, le choix il va être vite fait. Je vais mettre celui-là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça donne bien ou quoi? Après c'est vrai que le vert n'est pas pareil, il est un peu moins, il est un peu moins, comment dire, clair, un peu moins fluo. Ouais, allez, j'en mets pas. J'en mets pas. Par contre la fumée, ouais, je vais en mettre ça. Je vais mettre une fumée. Ah non, attendez, je vais mettre celle-là. Bon, étant donné la voiture, hein, je peux mettre du lourd. Et là, on va mettre des néons blancs. Ouais, ça c'est pas mal. Ça me plaît bien. Ok, donc là on est bon. Les vitres teintées, les gars. Ok, donc. Ah ouais, ok. Alors, est-ce que je les mets ou est-ce que je les mets pas? Franchement, j'ai acheté ce truc, je me demande pourquoi. Parce qu'à la limite, je préfère voir l'intérieur. Qui est juste magnifique, regardez, avec les baquets. Et vous avez vu, ça teinte aussi le haut là. Alors voyons voir comme ça. Vue d'ensemble. Ok. Bon, après, ouais, c'est vite teinté, hein. C'est vite teinté. Non, je vais pas mettre, les gars. Je vais pas mettre de vite teinté. Alors, est-ce que je n'ai rien oublié? Klaxon, j'ai oublié klaxon, mais bon, ça, on s'en fout. Ok, allez, c'est bon. Attendez, parce que là, ça a fait. Alors, je sais pas si vous avez fait gaffe. Ça m'a validé les vite teintés, là, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Moi, je veux pas de vite teinté. Voilà, je n'en veux pas. Ok, donc maintenant. On va regarder un peu du côté des perfs. Ok, donc c'est bon, j'ai préparé mes petites pièces. On va directement les installer sur le gros monstre. Bon, par contre, le jeu, il rame vraiment, hein, comparé à l'époque. Je trouve que ça lag plus qu'avant. Alors, frein à disque. Bon, les gars, on va tout équiper. Donc là, on part sur une puissance de 1280 chevaux. On va voir une fois tout remonté. Attendez, on va voir là. On prend 42 chevaux de plus. Quand même. Là, on prend 43 chevaux de plus. Oh les gars, on est sur un missile atomique là. Encore 43, 1408 chevaux les gars. Ça va faire du 1440 ça. 1450 chevaux. Quel monstre. Ok, bon là, par contre, on gagne plus de chevaux. Allez. Là, ok. Bon, là, on a fini pour tout ça. Maintenant, une petite chose qu'il faudrait que je fasse, je le ferai dehors, c'est faire les réglages pro. Alors, de suite, on va aller au lac Salé. Allez, direction le lac Salé, on va se faire une pointe vitesse max. Ok, on est arrivé, les gars. On est bel et bien arrivé au lac Salé avec le gros monstre. Oh, elle est terrible cette voiture, les gars. Oh, c'est même pas une voiture, c'est un avion de chasse. Hein. Franchement, elle a la forme d'un avion de chasse, le truc. Oh, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. On va se mettre en vue intérieure, tant qu'à faire. Autant en profiter. Mamma mia! Est-ce que ça fait plaisir? Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Oh, petit rupteur à la fin de la première. Quatrième. Oh, les vitesses, elles défilent, mais grave. Sixième déjà, il y a 9 vitesses, hein, n'oublie pas. 7.
370 déjà, 8ème vitesse, 400 km/h. Attends, je vais me mettre en vue extérieure là. 9ème vitesse à 1 km de la destination. Comme d'habitude, j'envoie le NOS. On est en 9ème. Il reste bientôt plus grand chose. Allez. Allez les gars, j'envoie le NOS. 444. 477. Elle est bloquée assez basse quand même. 478 les gars. 478 km/h. C'est pas ouf. La vitesse max n'est pas ouf, mais à mon avis, ce qui va nous impressionner sur cette voiture, c'est plutôt l'accélération dans les départs arrêtés, j'ai envie de dire. Vous avez vu l'aileron? Regardez. Juste pour le kiff. Tac, il se soulève. Là, je freine. Tac, il se baisse. Oh, c'est flambant. C'est vraiment flambant. Ok, bon, bah, j'ai envie de dire, on va se faire une petite course. Allez, on est parti. Allez, on part sur le Big Land. Allez, difficulté au max, on est parti. 3, 2, 1. Allez, on est parti. La pointe est vraiment pas mal du tout. L'accélération, pardon. Ben, je vais garder un peu mon os quand même. Ça continue de monter doucement. 416, allez, nos 450, 474, j'ai vu, c'est pas mal. Bon, après on sait que les Bugatti tout ça monte à plus de 500 hein, quand même, mais bon c'est pas mal hein. Allez, 470, on garde un peu de nos quand même, voilà. 29%. Ok. Bon, là, il y a juste à laisser dérouler. De toute façon, c'est la ligne droite. Allez, ok. 478, le rupteur. Hein. Le rupteur 478, les gars. Allez, je pourrais se monter. Un peu de nos, tac. Ouais, donc ouais, vitesse de pointe pas ouf, c'est dommage. Par contre, maniabilité au top, accélération plutôt sympa. Je pense que c'est vraiment une voiture qui est plus axée pour les circuits, on va dire, où il y a beaucoup d'accélération, beaucoup de freinage, beaucoup de virages, et moins sur ce genre de circuit qui est axé sur la vitesse maximum. Mais sinon elle est, on voit qu'elle est pas mal du tout. Alors là je sais pas pourquoi elle a tourné comme ça d'un coup. C'est pas grave, on repart. Allez, 74%. On est bientôt arrivé. Le temps qu'elle reprenne un peu les tours. Allez, hop, on renvoie un peu. Alors là, faut faire gaffe. Voilà, hop, on renvoie du NOS. 86%. Allez, les derniers mètres. NOS. 95%. 98. Et à 460 km/h quand même. Bon, ok, ok, ok. 2,41. Bon, c'est pas mal. 2,41,600, donc quasiment 2,42. Hein. Classement, combien j'avais fait avec la Bugatti? Ouais, 2,36, donc vous voyez on est quand même très très loin de ce temps hein. Donc bah voilà, ça veut dire ce que ça veut dire les gars, ça veut dire que la vitesse de pointe, donc, comme on le sait hein, c'est pas une vitesse de pointe fulgurante. Bah, après comme j'ai dit, accélération vraiment bien et maniabilité au top, donc voilà, voilà les gars. Donc sur ce j'ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc on a Instagram, le Discord. Vous avez le Instant Gaming si vous voulez acheter des jeux jusqu'à 90% moins cher. Il y a aussi le partenaire Burn Controller.
Donc ça c'est pour acheter les manettes personnalisées, vous avez 5% avec le code promo GAMING06. Et le dernier, on a le Utip si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, c'est juste des pubs à regarder. Voilà, ça soutient ma chaîne. Et c'est gratuit pour vous. Olé ! Allez, sur ce les amis, j'ai fini pour cette vidéo. Je vous dis bon game à vous. Bonne découverte de cette mise à jour. Amusez-vous bien et à plus les amis, à plus.